Salut à tous, c'est Unwin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai repris Groot pour visiter une maison secrète, les gars, vous allez voir. Je me suis pas spoil, j'ai pas visité toute la maison, j'ai juste chargé en fait, parce que c'est des maisons qu'on charge pour voir un peu ce que ça donne. Et je vous ai fait une petite surprise dans la dédicace à ma voiture. Bon, je rêverais d'avoir celle-là, bien évidemment, mais là on est sur une i8, hein, bien sûr. Voilà, donc on va visiter une maison secrète, les gars. Vraiment une maison de blindés, quoi, de riches, vraiment de blindés. Elle se situe pas loin, là on la voit pas d'ici, on la voit pas d'ici. Elle est juste à côté de moi, elle se trouve à ma gauche là-bas, à ma droite, ouais. C'est à droite ou à gauche? Ouais, c'est à droite. Désolé. Et donc on va aller visiter ça. Donc je vous fais déjà un petit tour de la voiture, petite i8. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est une voiture électrique. Elle est juste magnifique. Donc moi je l'ai mis en jaune parce que là j'avais envie de la mettre en jaune, mais sinon je peux la changer, je peux la mettre en ce que vous voulez. Voilà, petit BMW. Ah ouais, ça me rappelle ma voiture. Bon, j'aimerais bien l'avoir celle-là, elle est juste incroyable. Hein. Elle est magnifique, mais malheureusement, nous n'en a pas des comme ça, quoi. Voilà. Hop, on rentre à l'intérieur. Je monte l'intérieur. Ah, le problème, c'est Groot, il est petit. Ah ouais. Ah ouais, l'intérieur, il est incroyable. What is this shit? Magnifique. C'est pas le même intérieur que ma voiture. Bon, enfin bref. Les gars, c'est parti. On va aller visiter la maison. Attendez. Il atteint même pas le volant. What is this shit? Regardez Groot. Il fait 2 mm par rapport à la taille du truc. Ok. Bon les gars, c'est parti. On va aller visiter la maison. Let's go. La maison qui se situe, vous allez voir, c'est une maison vraiment de riche, hein. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si c'est votre style de maison, de villa plutôt, parce que c'est une villa qu'on va visiter. C'est votre style de villa. C'est juste à gauche. Donc voilà, forcément, qui dit grosse villa, dit grosse voiture. Et donc j'ai pris cette petite i8. Mais vous allez voir que lui, il est plutôt blindé aussi, il a pas mal de véhicules. Déjà, on arrive, on a une entrée plutôt magnifique. Hein. Ça doit coûter je sais pas combien, juste l'entrée déjà. Avec des grands portails et tout. Une petite limousine garée devant. Bon, je peux pas passer là. Je fais le gars RP, tu sais. Je crois que je peux passer. Allez, tu me laisses passer. Voilà, le gars, il a une petite limousine garée juste devant. Voilà, l'histoire de mettre quelques demoiselles derrière. Porte vraiment belle, hein. Avec des pots de fleurs et tout. Des pots de fleurs un peu partout sur les poteaux. Voilà, on va visiter tranquillement au détail. C'est parti. On rentre comme si c'était ma maison. Let's go. Alors. Ah ouais, déjà t'as... Ah ouais, t'as une allée comme ça chez toi, t'es... What is this shit? Ah oui, magnifique. L'allée est pas mal. Déjà tous les jours quand t'arrives chez toi, tu sais que c'est... T'es bien, quoi. Alors, ensuite, à gauche, on a... Un garage. Je crois qu'on a le garage à gauche, non? J'ai écouté, on va visiter le garage en premier. Là, comme je dis, je me suis pas spoil. J'ai jamais été dans cette partie. Je pense que c'est le garage. Bah voilà, bah c'est le garage. Et je crois qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans le garage. S'il y a peut-être moyen de la garer là. Ouais, il y a moyen. On va essayer de faire un créneau. Voilà, créneau à l'ancienne. Bon, on a dégommé le véhicule, mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. Groot, il va visiter ça tranquillement. Donc déjà, le gars, il a une vue de malade. Il a une vue de fou. Ah ouais, le gars, il a 2 bateaux et tout. Il a une petite Zentorno. Ah ouais, attends, c'est quoi ça? La petite T20 et une petite Adair. Bon, déjà, juste là, t'en as pour 3 millions, je sais pas combien d'euros. Alors. C'est quoi ça? Ah ouais, le gars, c'est un chanteur. Genre, il a des disques d'or. Si vous reconnaissez les chanteurs, n'hésitez pas à me dire. Moi, je connais pas du tout. Peut-être que je suis un culte ou quoi, mais je connais pas du tout, du tout. Ok, déjà, le gars, il est disco d'or. Ah ouais. Ah ouais, le gars, il est dans son garage, il est plutôt bien servi, quoi. Petite glacière et tout. C'est une glacière, ça? Ah non, c'est une boîte d'outils. Je pensais que c'était une glacière. Déjà, le Groot, il fait à peine la taille du meuble. Ok, c'est parti. On va aller voir la maison, les gars, parce que c'est le plus important, quand même. Déjà le garage,
On voit que le gars il pèse quoi. Alors, donc petit escalier tranquille. Ah ouais. What is this? Alors, on va juste se mettre la journée histoire que ça soit un peu plus stylé. Attendez. Hop. Voilà, on se met midi tranquille. Et hop, voilà. Là, on est bien. Ah ouais. C'est quoi de ça? Ah ouais, là, je pense que là, tu peux. Bah, là, je pense que c'est pour le feu. Il y a moyen de mettre. Enfin, genre des bois et tout. Faire un petit feu de camp. Ensuite, ici, on a le petit télescope, je crois. Ça s'appelle comme ça, le télescope. Il est pile poil bien positionné pour Groot. Hein. Attendez, je me prends à personne. Ah ouais, il est bien positionné pour Groot. Ok. Ensuite, voilà, mon petite terrasse. Bon, la piscine, elle est incroyable. Par contre, les plongeoires, bon, bof, mais ça va. Il en a trois tranquillement. En gros, genre là, tu sors de ton salon. Ah, il y a un truc là-bas aussi. Attendez, je vais aller voir là-bas. Ah ouais, je pense que c'est le jacuzzi. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu, mais il y a un 4x4 garé. Ah ouais. Le gars est plutôt tranquille, quoi. Voilà, donc petit jacuzzi, j'imagine que c'est le jacuzzi ça. Avec des petits transats. Et le petit 4x4 en haut, magnifique. Ensuite, c'est vrai que t'as une belle vue quand même. Hein. Genre là, regardez, je suis posé sur le transat comme ça. J'essaie de me mettre dessus. Et on a une belle vue quand même. Hein. Ah ouais. T'as une belle vue, quoi. Je veux dire, le matin, tu te réveilles, t'es bien, quoi. On va aller voir s'il a une chambre et tout. Alors. Ah ouais, le gars, il a un bar. Qui a un bar chez lui, sérieusement? Moi, personnellement, j'ai pas les moyens de me payer tout ça. Donc voilà, petit bar classique, ça c'est pas mal si tu veux inviter tes potes. Frigo américain, forcément, forcément. Ah ouais. Le gars est plutôt bien. Ensuite, bon, petite table de réunion, je pense. Peut-être table de man pour manger. Bon, je sais pas, il y a combien de couverts, mais là, il y a moyen que je vous invite tous, les gars. On invite plein de babouins et on mange tranquillement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau? Voilà déjà, voilà. Le bas. Ah, il y a un sous-sol là ou. C'est quoi ici? Là, c'est la deuxième entrée, je crois. Attendez, je vais vous montrer la deuxième entrée. Bah ça, c'est là. En fait, nous, on est venu d'ici. On a tourné dans le garage, mais sinon, il y a une autre entrée ici et une autre entrée à gauche aussi. On peut même passer par là, regardez. Là, c'est la porte principale. On peut même passer par là, mais là, c'est quoi? Ça mène où ici? Ah, ok, ça mène au 4x4. Pardon. Ça mène au 4x4. Alors, en haut, on a quoi de spécial? Déjà, quand t'arrives là, hop. Ah, et là, t'as un petit salon. On va aller voir ce petit salon. Ah ouais, petit canapé. Ah ouais, écran plasma et tout. Shit. Le gars est plutôt bien positionné, quoi. Voilà. Ensuite, en bas. Bah, tiens, on va passer par là. On a quoi? Ah ouais, petite plaie, tout. Ah ouais, ça c'est ma phrase les gars, ça c'est mon mot aujourd'hui. Ah ouais, c'est mon mot. Petite télé, tranquille, il a la play. Bon, j'imagine que c'est la play de GTA, entre guillemets. Il est plutôt bien équipé. Genre, ouais, plutôt pas mal hein, niveau boisson. C'est-à-dire que le gars, il aura jamais, enfin, plus soif, quoi. Quand il a soif, il est là, quoi. Ensuite, donc le bas c'est bon, on a des petits vases de riches, hein, forcément. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, il y a des petits vases de riches. On va aller visiter le haut pour voir ce que ça donne. Ah ouais, déjà, tu sais que tu pèses quoi. Regardez l'escalier, la taille de l'escalier. Limite, genre là, la pièce là, tout l'escalier, tu peux mettre deux chambres, tu sais. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'étage? À l'étage, bon, forcément, petit écran plasma avec une bonne sono quand même. Le guide doit se mettre bien. Tu mets de la musique si t'es bien. Voilà. Ensuite, ici, nous avons encore une fois. Ah ouais, d'accord. Ça me choque tellement en fait que je dis toujours ah ouais, parce que ça me choque en fait. Le gars, il a un billard. Il a un truc là, le air hockey, je crois que ça s'appelle. Mais t'imagines, t'as ça chez toi? Et des fléchettes? Ah ouais. Pas mal. Pas mal du tout. Canapé, lit, limite. Petite vue tranquille avec. On peut passer ses débits, je crois, ici. Voyez, ses débits. Petite vue, encore une fois, avec un petit télescope pour mater. Ah, bah, il y en a aussi un là-bas à gauche. Ah, t'es bien, en fait. Petit canapé, tranquille. Bon, c'est vrai que vivre tout seul là-dedans, ça doit être quand même chiant.
Ah, la salle d'eau, salle de bain. Salle de bain. Ah ouais, d'accord, il y a 4 4 trucs pour se laver les mains. Je pense que le gars il est plutôt bien équipé. Ici on a quoi? Ici on a des petits lave-linge. Baignoire vraiment pas mal. D'ailleurs, baignoire, on avait fait une course avec pour ceux qui se souviennent. Et une petite douche plutôt basique. Voilà, douche à l'italienne ou je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Ensuite. Et en fait, moi je confonds, en fait, c'est des vitres, mais on voit pas. Ensuite, ici on a le petit télescope. Et ici, c'est sa chambre. Ah, c'est son lit. Ah ouais, triple écran à la salle. C'est l'écran de la salle, les gars. C'est la setup de la salle, pardon. Elle a la setup de la salle. Il a un petit téléphone tout tranquille. Petit Mac. Encore un téléphone. Oh, c'est une tablette, je crois, ça. Ouais, c'est une tablette. Et il a un lit. Il est énorme. C'est genre ces deux lits. Ces deux lits. Tu te réveilles le matin, t'as ça comme but. Ça doit être magnifique. Voilà. Ensuite, les gars, on va aller visiter le bas. Donc, forcément, on est venu par où là déjà, je me rappelle plus. Ah, il y a moyen de faire un plongeon, vous pensez? Je vais essayer de faire un plongeon. Enfin, je peux passer par là. Je vais essayer de plonger dans l'eau, les gars. Il y a peut-être moyen de plonger dans l'eau par là. Ok, plongeon raté. Eh bien écoutez, je pense qu'on a visité toute la maison. Il me manque plus que le bas là que je vais aller visiter. Alors on peut passer par où? Ok, il me semble qu'on passe par là-bas. Ouais, par là. On va aller visiter parce que le gars a quand même un yacht. Hein. Enfin, quand même, qui dit maison de riche, je dis. Ah oui, j'avais pas vu la petite entrée ici hein, quand je suis sorti du. Ah ouais, tu te réveilles le matin, t'as le choix entre 4 gros super sportifs comme ça, tu pètes un plomb. Groot, il est magnifique. Bonsoir Groot. Alors Groot, qu'est-ce qu'il a de beau à nous faire visiter là? Mais la maison, c'est énorme, elle est énorme. On marche tranquillement les gars. Alors le gars, il a deux bateaux. Bon, déjà, il a un petit yacht, c'est un mini yacht. Et mon bateau basique, on va aller voir le yacht. Le yacht que tout le monde connaît. Je vais mettre en première personne pour visiter le yacht. Ah oui. Là, t'es bien. Là, franchement, t'es bien. Là, tu peux rouler ou pas? Ah, tu peux rouler, ouais. Ah ouais, t'es bien. Bon, bah les gars, on va aller conduire tranquillement. C'est stylé, regardez Groot. Groot, il conduit un bateau. Comme ça, je vous fais une petite vue de loin de la villa qui est. Ah ouais, elle est incroyable. Je vais vous mettre une vue de côté aussi. Attendez, on tourne. Attendez. Ah, on la voit plus en fait, elle despawn. Elle despawn, ouais. Mais elle est énorme. Il y a combien d'étages? Il y a 3 étages parce que ça fait 3 ou 2. Ouais, 3, on va dire 3. Elle est incroyable. En tout cas, voilà. C'était la visite d'une maison d'un. On peut dire d'un millionnaire ou un milliardaire. Ah bah je pense qu'il est plus milliardaire parce que millionnaire, tu peux pas te payer ça. Genre. Enfin, si t'as 1 million sur le compte, tu peux pas t'assumer pas quoi. Mais ça va. En tout cas, c'était vraiment pas mal. J'ai bien kiffé. C'était une petite visite comme ça. Voilà, c'est une petite nouveauté qu'on va faire sur la chaîne. On verra si vous aimez bien. Et voilà. Groot, il va aller plonger dans l'eau. Et voilà. Regardez. Il est pas beau les gars quand. Il est mignon quand même hein. Regardez sa grosse tête là. Bon, c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.